Voici des nouvelles de la maison en container de Philippe. Pour combler les espaces sur le pignon, il a réutilisé les parois qu'il avait découpées à l'intérieur du conteneur pour créer un grand espace, et il a super bien avancé sur la charpente. À l'intérieur, toutes les huisseries sont déjà posées, et il a posé tous les rails pour poser bientôt le placo. Le chantier avance bien puisque les conteneurs lui avaient été livrés en janvier, et depuis, il y travaille quand il a le temps, c'est-à-dire surtout les week-ends et une partie de ses vacances. Pour voir les prochaines étapes, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous suivre en activant les notifications.